Salut à tous, c'est Zwiggy avec Yoshi's Woolly World. Voilà. Le dernier jeu sur Wii U avant la X. Mais non, c'est du troll ça, Zwiggy. Eh ben oui, c'est du troll. Bon, sérieux. Non. En 2015, il reste quand même pas mal de jeux. Il y a Xenoblade Chronicles X en décembre. Ouais. Il y a le Super Mario Maker que j'attends vraiment en septembre. Il y a le Star Fox aussi que... Septembre ? Ouais, je crois. Bah, il a l'air ambitieux, mais un peu bizarre, je sais pas trop. Il y a le Fast Racing Neo, jeu indé de fou, j'attends comme pas permis. Et après, j'avoue qu'il n'y a plus rien. Après, il n'y a plus rien, ouais. 2-3 jeux vite fait par-ci par-là sur One et Play 4, voilà, les Forza, Halo, Gears, Uncharted, voilà. Et après sur PC, donc les jeux multi-support comme Need for Speed, Call of Duty et tout, il y en a quelques-uns, mais pas énormément, mais des pas mal. Il y a surtout Mirror Edge 2, putain, 26 février. Mais voilà, les jeux vidéo, franchement, à part des suites, reboot, remake, il y a 2-3 jeux par an et encore, bof, ça part en couille, mais bon, voilà. Mais là, Nintendo, comme d'habitude, c'est nous offrir un putain de bon jeu de fou. Yoshi Woolly World. Nous, on l'a en avance par rapport aux Américains qui l'ont en septembre. Malheureusement pour eux, ils ont eu Kirby en avance, mais ils ont eu Yoshi en retard. LOL ! Franchement, sur ce coup-là, nous, les Français, enfin les Européens, je pense, on est avantagés, c'est cool. Je vous laisse un petit peu la musique. D'ailleurs, j'ai tout l'amiibo, sauf l'amiibo en laine. J'aimerais bien avoir le bleu. Mais je vous laisse juste la musique. C'est la musique super douce, super relaxante. C'est magnifique, c'est un truc de fou. En plus, graphiquement, il est super beau. Il a pas l'air très long, mais pas très court non plus. Des fois c'est dur, des fois c'est assez facile. Pour finir le niveau, c'est pas trop compliqué, mais pour le finir à 100%, tout débloquer, tout trouver, c'est assez chaud. Et franchement, c'est parfait. C'est plus dur qu'un Kirby, c'est clair. Mais ça reste du Nintendo, donc ça reste accessible quand même. Et c'est de la tuerie. C'est de la tuerie. Putain. Là, je vous laisse encore un peu la musique de Tricotil. C'est là où je suis, Tricotil. Tricotil, c'est là où c'est en 3D. C'est là où c'est en 30 FPS aussi. En même temps, je vous montre un peu les mondes, vite fait. J'aime bien parce que ça varie aussi, ça change. Là, c'est on va dire la plaine. Et vous voyez, on voit tous les niveaux. On voit les Yoshi, on voit aussi les Mi. Hein. C'est ça qui est bien. Les Yoshi, c'est parce que j'ai pris les 5 pelotes de laine par niveau pour débloquer un Yoshi. Voilà. Et après, il se retrouve là, pavillon des Yoshi. Là, c'est le monde du désert avec un peu la lave et tout. Ouh, ça brûle. Là, c'est le monde des bonbons et chocolat, les gâteaux et les biscuits. Voilà. Ah, c'est le monde de la jungle, c'est pas mon kiff, j'aime pas trop. C'est beau, putain, non, sérieux. Le monde 5, le monde de la glace, le monde de la neige. Le monde où tu vas glisser et tomber dans un trou comme un connard. Et le monde 6, le monde des tiroirs de Bowser. Voilà. Je voulais finir le jeu, mais finalement j'ai pas eu le temps et j'ai dit non. Donc je sais pas si y a un monde 7, je sais pas si y a un monde 8, je sais pas si c'est un Bowser le boss ou si y a un boss après. Aucune idée, mais au moins tant mieux, je peux. Voilà. Suspense. Alors, sur la gauche, les 25 c'est le nombre de Yoshi que j'ai débloqué, que j'ai retricoté par rapport au niveau. Encore une fois, quand j'ai pris les 5 pelotes par niveau. Les fleurs, ou les soleils, on peut dire un soleil, hein, mais normalement c'est une fleur. Hein. C'est, il y en a 5 par niveau aussi à trouver. Voilà. Les tampons, il y en a 20 par niveau à trouver. Et ils sont cachés dans les diamants qui est en dessous, vous voyez. Donc c'est vrai, pour finir le jeu à 100%, c'est chaud. Et en plus, il faut finir les niveaux avec les vainqueurs. Alors ça aussi, waouh. Franchement, si tu finis le niveau avec les vainqueurs, t'es un vainqueur. Bon, ta gueule. Donc voilà. Et les rubis en bas, c'est le pognon où on peut acheter des badges. Je vous montrerai après. En bas à droite, c'est le mode. Donc là, je suis en mode classique. Je peux mettre mode relax. Mais je sais pas ce que c'est. Je le mettrai jamais. Parce que merde, hein, sans déconner. Je sais pas, pourquoi mettre le mode relax? C'est comme le Wind Waker HD. Je l'ai directement fait en héroïque. Ben oui. Je vais pas acheter le jeu, appeler Mister Champion du Monde et dire vas-y, finis-moi le jeu en 2-2. Non, tu joues à un jeu, tu mets le mode le plus dur. Voilà, tu galères, c'est bien, tu t'améliores et voilà. Enfin, je sais pas. Ou alors la première fois, tu le fais en facile, comme des fois je fais, c'est vrai. Mais bon. Donc voilà, on va aller à Pavillon des Yoshi déjà. Encore une fois, j'ai tout l'amiibo. Je vous montrerai à la fin, en dernier, les amiibo Yoshi. D'accord? Ça sera un bonus de fin. Donc ça c'est les Yoshi que j'ai débloqué. Il y en a 9 par monde. Il y a 7 niveaux, mais après il y en a 2 à débloquer, je sais plus comment, les deux autres niveaux, je sais pas.
quand t'as toutes les fleurs et l'autre, je sais plus trop quoi. Comme peut-être t'as fini tout le monde à 100%. Je sais pas, franchement, je sais pas. Yoshi, Belixo, comme Obélix. Il était ce boss aussi dans Super NES. C'est Yoshi, je sais plus quoi là. Et voyez, le détail qui tue chez Nintendo, en plus de nous faire des bons jeux. Bon, même s'il n'y a pas eu F-Zero sur Wii U, et même s'il n'y a pas eu un putain de Metroid HD. Non, non, ils ont fait un Metroid spin-off de merde sur 3DS. Mais à part ça, les détails qui tuent chez Nintendo. Vous voyez, le contour de Yoshi, tout en laine et tout. Trop bien fait, ça tue. Ça tue, merci Nintendo d'exister, de faire des putains de bons jeux. Franchement. Autant les autres, au final, quand ils sortent un jeu, ça a été downgradé graphiquement, c'est pourri. Autant Nintendo, on l'avait vu avec Hyrule Warriors, les trailers, au début... C'était bien, mais au jeu final, il était encore plus beau, quoi. Putain, que Nintendo pour faire ça. Amiibo. Excusez-moi. Donc oui, Amiibo Yoshi en laine. Quand je mets mon Yoshi normal, ça me dit fuck. Donc peut-être que l'Amiibo Yoshi en laine, apparemment, il est différent qu'un Yoshi normal. Donc j'aimerais l'essayer sur Smash Bros. Voir. Yoshi meme, Yoshi mascasse. Yoshi cendre. Ah, j'ai pas tout débloqué, parce que c'est dur, hein. Yoshi hot dog. Mais pas seulement... Quand j'ai débloqué, j'aurais cru un Yoshi Banjo-Kazooie. On dirait pas Banjo-Kazooie, je sais pas quoi, celui qui est en bas là, le hot dog, lui là. Oui, Yoshi hot dog. Arrête, j'ai fait un connard. Yoshi flamme, Yoshi pastel, Yoshi arc-en-ciel, Yoshi côte Claudette, Yoshi côte coton. Yoshi écharpe. Et lui, Yoshi cookie, je trouve magnifique. Le blanc beige là, avec le marron chocolat au lait tout. Oh putain, il donne faim, il donne... Oh, j'ai envie de le croquer quoi. Je préfère niveau mignonitude, je préfère Kirby. Mais Yoshi, c'est vrai qu'il est quand même super mignon. Yoshi jungle. Yoshi lac, Yoshi camouflage. Yoshi polaire. Yoshi sport d'hiver. Et Yoshi glaçon. Lui, en été, il sort beaucoup, lui. Et Yoshi électrique, voilà. Oui. Jeu génial, jeu excellent, oui. Il est parfait le jeu, il est vraiment parfait, il n'y a aucun défaut. Il est fluide pendant les niveaux, il est pas trop long, pas trop dur, pas trop court non plus. Il est complet, il tue. Alors le bestiaire, c'est tout le monstre que tu as rencontré. Voilà, Mascasse, Masroquette. Bon, c'est Nintendo, donc comme Splatoon et comme tant d'autres jeux, c'est Nintendo encore une fois, donc il y a plein de jeux de mots, hein, voilà. Massalto, Nico Mascas, Tour Mascas, Masque et Chasse, voilà. Et celui-là, attention, attention, attention. Tout en mascamant. Ouais, jeu de mots ultime. Alors, ils m'ont battu là, franchement. Même pas moi, j'aurais pensé la faire, celle-là. Masque la gla. Masque à boum. Kaboum. Seuls les fans comprendront. Mais en même temps, comme je l'ai mal fait aussi. Plan Pierre National. Trop bien fait, j'adore, c'est ouais, parfait, level design magnifique. On va passer un peu. Bilball. Ouais, vas-y, j'en tire plein, vas-y, ouais. Bon, ouais, voilà. Et après, il y a les music. Les musiques, toutes les musiques sont magnifiques, vraiment. Comme dans tout Nintendo. Ouais. On n'a pas la musique, moi. Ouais, bon, allez. Lance ton jeu maintenant, enfoiré. Lance tes niveaux, connard. Je veux voir du jeu. Oui, ça arrive, ça arrive. Encore une fois, j'essaie de pas faire trop long, mais si je fais une heure ou plus ou moins, soit vous regardez pas la vidéo, hein, ou soit alors vous coupez en plusieurs fois. Enfin, vous faites comme vous voulez, y a pas de souci. C'est pas une heure de votre vie gâchée, quoi. Au contraire, vous allez voir un bon jeu. Enfin, voilà. Ouais, plein de diamants. Allez, on commence bien sûr par niveau 1, monde 1. Et comme je vous ai dit encore une fois, celui-là, ça, il est où? Attends, il est où, putain? Voilà. En fin de vidéo. On voit que là, il y a un truc aussi. Là. Et là aussi. Pour moi, c'était un truc, hein, je pense. Bon, allez. Monde 1. Niveau 1. Voilà, on arrive au cœur du jeu là, à bout de 10 minutes. Bon, ça va, ça passe encore. Vous voyez, là, il y a encore un monde, et après là aussi. Ah non, il n'y a pas de monde après. Ah. Qu'est-ce qu'il veut lui au fait, juste pour voir? Oui.
Alors, l'étoile, c'est que j'ai à 100%. Là, c'est que j'ai pas à 100%. Voilà, il faut les 5 fleurs, les 5 pelotes pour récupérer le Yoshi, les 20 tampons et finir le jeu avec les vainqueurs. C'est très très chaud. La coopération, mais toujours locale bien sûr, parce que Nintendo c'est que du local, à part Mario Kart et Smash Bros. Malheureusement, c'est con. Parce que Mario 3D World en multi, putain, ouais, Yoshi en multi, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et voilà, au fur et à mesure que tu débloques les niveaux, les mondes et tout, tu débloques des badges. Que tu dois payer, hein, bien sûr. Voilà. Ça peut être utile. Ça, je sais pas. Jamais trouvé, jamais compris. Bon, voilà. Donc, let's go! Yeah! Yoshi de laine sans mêle avec les Miiverse. Je savais pas ça par contre. Alors, on va. Badge, Miiverse, mode d'emploi, comment c'est. Oui, je peux acheter badge maintenant si je veux là. Tu vois, vous voyez, je peux. Voilà. On n'a pas de temps et on n'a pas de vie. On peut mourir à l'infini. Autour de moi, c'est mes cœurs. Et voilà. C'est en 2D et 160 FPS et c'est super beau. J'avale avec B. Et j'appuie sur bas pour faire une pelote de laine. J'appuie sur X pour faire ça. Et j'appuie sur X pour tirer. J'appuie sur A pour sauter et je laisse pour faire ça. Et quand j'appuie sur A et sur bas, voilà. Maintenant j'ai mes amiibo à côté de moi. Quand je prends le amiibo Yoshi, il y a un deuxième Yoshi qui apparaît. Un Yoshi plastoc, comme lui. Et il fait exactement pareil. Vous voyez, il fait exactement pareil. J'ai utilisé une fois, ça m'a gonflé, ça m'a énervé. Yay! Voilà, c'est marqué. Ah oui, tu peux... Ok. Ouais, en fait, il sert surtout à faire une boule, quoi. Ouais, ça sert surtout à faire une boule, en vrai. C'est quoi, ça? Appuyer sur quoi? Sur le moins? Ah, je change de Yoshi, là. Non? Attends. Ah non, c'est pour le faire revenir à 9. Ouais, bon, c'est de la merde. Franchement, j'aime pas. Allez, hop, vire-moi ça de là. Ensuite, bon, l'amiibo, je le montre à la fin, mais je peux quand même, au cours de partie, faire un amiibo Mario. Voilà. C'est juste le skin, en fait. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Hein. On peut aller dans les tuyaux, comme d'hab. Il y a beaucoup de trucs cachés, c'est vrai que c'est super chaud pour finir le niveau à 100%. Trouver tous les trucs cachés, c'est assez compliqué, vraiment. Il y a les petites pelotes et il y a les grosses pelotes. Les grosses pelotes, hein, là la petite, ça va juste faire ça. La grosse, ça l'aurait fait, mais ça aurait aussi fait celui-là. C'est en deux coups en fait. Ça, on peut tirer, voilà. Après, je vais vous montrer un truc. Voilà, passage. Je vais vous montrer aussi un autre truc. Passage. C'est... Voilà. Voilà, c'est... On peut croire que c'est assez facile parce que c'est Yoshi, ça reste mignon, c'est Nintendo. Mais sans déconner, pas si facile que ça. Bon, je vais pas tout prendre non plus parce que j'ai déjà tout pris. Hein. Checkpoint! Et ça transforme les ennemis en cœur. Voilà, vous voyez, là je suis dans le jaune, donc j'ai les vainqueurs. Voilà. On va aller assez vite quand même. Ouais, c'est tout cousu, c'est vraiment bien fait. Alors que Kirby c'était en mode fil. Là, c'est un mode remplissage, quoi. Tricoté, tissé, c'est trop beau. C'est pareil, mais en étant différent. Et ça fait un autre style, et c'est parfait. C'est parfait. Moi, c'est du Kirby quand même, hein, avec les diamants et tout, mais même, c'est...
je kiffe. Franchement, ce jeu, je trouve aucun défaut. Vraiment, hein, je... Une fois, c'est vrai, une fois, pendant le niveau, donc à 60 FPS, ça a descendu d'un coup à genre 20 FPS, je sais pas quoi, c'était bizarre, j'ai pas compris. Mais franchement, c'est pas grave. Tricotile en 30, ça, on s'en fout, ça déconne. Donc non, voilà. Y a aucun défaut, aucun souci, aucune merde. Il y a jamais eu un moment où j'ai fait « Oh putain, merde !» Non, jamais. Et voilà, la fin du niveau, déjà. Vous voyez, celui-là était facile et court. Hein. J'ai pas tout pris, hein, mais bon. Et souvent, dans les niveaux, ça va vous arriver, ça. Oh putain, il me manque un truc! Oh là là! Eh ouais. Et à la fin, il y a ça, bien sûr. Je vais essayer de prendre le mode bonus. Ah ben non. Ah lol! On va essayer de faire un niveau par monde. On va essayer. Donc l'amiibo Yoshi et l'amiibo Mario, c'est fait. Je vais vous montrer maintenant l'amiibo Dracaufeu. C'est con parce qu'il y a tout qui marche sauf l'amiibo Pokémon. C'est chiant. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Monde 2. On va faire stage 2. Ah là il me manque les cœurs là. On va maintenant utiliser avec Pushy. C'est le chien qui t'aide. Il récupère les pelotes. Et quand tu montes dessus, il tue tout le monde et il cavale vite. C'est pas mal. Attention, c'est parti pour l'amiibo Dracaufeu. Et en fait, c'est l'amiibo Yoshi. Voilà, tous les Pokémon ça fait ça, donc Lucario, Pikachu, Rondoudon, Philobie, Dracaufeu. Donc là on va jouer vraiment avec en fait Megaman. Yeah. Vous voyez là, y a... Pourquoi ça marche pas? Vous voyez, c'est un bug. Putain, mais c'est de la merde. Eh ben non, c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait c'est l'autre côté. Souris de merde! On va essayer d'aller vite et de prendre les vainqueurs. On va essayer de finir 100% ce niveau. Voilà, Pushy va servir un peu à rien, mais bon, c'est pas grave. Ah non, mais c'était bien là qu'il fallait aller en fait. Là c'était pour récupérer le truc, donc c'est pas là. C'est bien là qu'il faut aller. Ouais, vous avez vu, il y a plein d'endroits, hein. Il y a plein de niveaux, hein. Tu sais pas après. Hein. Des fois c'est vrai que les niveaux, tu peux aller à gauche, à droite, en haut, en bas, tu te dis, je sais ici où il faut aller, je sais plus. Et l'angle 100%, des fois tu es obligé de le faire en 2-3 fois. La première fois tu te concentres sur les trucs, après tu te concentres sur la vie ou tu te concentres sur d'autres choses, enfin. C'est voilà. Voleur de connard. Alors. Et je peux le relancer directement, hein, sans forcément le chier. Oui, c'est là. Non. Ah, mais je suis con aussi. Ben oui, non, non, oui. C'est vrai qu'il faut capter des fois, vous voyez. C'est pas évident, c'est ça qui est bien. Faut réfléchir dans ce jeu. Voilà, je suis à 20. Et voilà, un Yoshi transformation. Yoshimoto, Yoshi, Mega Yoshi, Yoshimoto, Yoshi parapluie, c'est quoi? Yoshi top. Oh, celui que j'aime pas, merde. Bah, c'est pas grave. J'aurais bien aimé vous montrer Yoshimoto, Mega Yoshi, ici et là. Mais les niveaux sont tellement longs, des fois c'est compliqué et tout que... Je sais pas où ils sont, dans quel niveau. Donc ça va être au pif, ça va être les niveaux au pif, donc je sais pas. Voilà.
C'est pas mal cette petite transformation là. J'aime bien. Yoshi sirène aussi. Et voilà. Oh, je me rappelle de ce niveau. Oh putain, non, mais non, je me rappelle plus. Je me rappelle que je me rappelle plus que c'était de la merde. Oh non, je vais pas le finir. Je vais pas le finir parce que... Oh merde. Alors attends. Oh là là, oui. Oh là là. Putain de souris de... Culé. Merde. Je crois que c'est là. Là tu tombes mais peut-être que c'est là où il y a le... Ouais c'est pas celui-là alors, c'est là. Allez! Je suis tombé sur un petit niveau de merde. Oh là là, j'aime pas ce niveau. Ah! Qu'est-ce qu'il veut? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pushy, qu'est-ce qu'il y a, Yoshi? Non, Pushy. Ah, il peut m'aider à faire ça. C'est pas con. Ah. Ah ouais, ok. Bon, allez, putain. En plus, j'avais les vainqueurs, il y a l'autre côté. Souris de merde. Oh, ça fait deux fois que... Ah, je bloque. Ah. Voilà. Bon. On va finir ce niveau à 100% ou merde. Allez, monte. Putain de merde. C'est cool. Ça va vraiment chier tout ça. Bon, normalement c'est la fin là. Voilà, allez. Vous voyez le niveau? Bon, je suis quand même assez vite parce que je voulais juste récupérer les vainqueurs, mais pour tout récupérer, vous voyez, c'est franchement c'est un labyrinthe. Ce niveau, autant l'autre, vous voyez, il était facile, court, nickel, autant celui-là, c'est un putain de labyrinthe de fou, super chiant. Ah, quoique non, il manquait pas que ça en fait, je crois. Souvent, c'est les tampons qui me manquent aussi. Parce que c'est chaud à tout trouver là, putain. Yay! Ah, si, 100%. Ouais! Ouais, Yoshi Woolly World, super, ouais, Yoshi Woolly World. Ok. Alors, monde 3 maintenant. On va faire 3-3. Ouais, mais vu la gueule du truc, s'il faut escalader. Là, il manque encore les cœurs et les... Ok. Et un essai gratuit, je vais vous montrer... Un truc super important quand même, c'est objet caché visible. Là, on voit tout. Et c'est vraiment utile. Bon, après, les niveaux cachés, enfin, pas les niveaux cachés, mais les endroits cachés, ça, on les voit pas. Donc, si vous y allez pas, ben, tant pis. Mais, on voit le reste. C'est-à-dire, je vous montre... Attends. Là, il n'y a rien pour l'instant. Hein. Vous voyez, lui, il brille. Il brille, c'est-à-dire que lui, en fait, c'est un badge. Voilà. Ça, c'est transparent parce que je l'ai déjà. Hop, le truc il a apparu là, vous voyez. Alors que normalement j'aurais dû y aller dessus pour qu'il apparaisse.
Voilà, il a pas réussi. Ce badge est vraiment pas mal. Il y a un badge. Bon, là, le badge, on le voyait déjà à travers parce que j'avais déjà pris. Mais si j'avais pas pris, ça brillerait quand même. Vous voyez. Il y a rien en bas. Non, non, on meurt, on va dire. Youhou! Donc là, on va changer aussi l'amiibo, on va prendre Splatoon Calamar. Voilà. Et on va changer direct pour Captain Falcon. Et si je mets le... Attends, si je remets l'amiibo Yoshi, je garde quand même mon Falcon là. Alors on va faire ce niveau comme ça, allez. J'aime pas, mais... Putain. En fait, moi, si j'utilise le deuxième amiibo, enfin, le deuxième Yoshi, ça servira juste à faire ça, voilà. Ouais, ça fout la merde, ok. C'est de la merde, allez. Vire-moi ça. Allez! Marre-toi, connard! Voilà. Donc là, en théorie, je devrais avoir les badges qui me manquent. Et on est d'accord. Mais bon, je suis quand même allé assez vite. Alors, je prends ça pour pouvoir le recracher dessus. Et... Non, là je l'avais pris, ok. Touk. Oui, les niveaux changent, les niveaux varient, les niveaux sont toujours super beaux. C'est naturel. Putain. Je l'ai pris. La flèche, ah oui. Les deux, je les ai pris, ok. Ça fait quand même du pognon, donc bon, c'est toujours ça à prendre, quoi. C'est toujours ça de prix. Il y a tout, il y a tout. Là-bas, je l'ai pris. Il y a pas un truc en haut, là, peut-être. Ouais, j'ai tout pris, ok. Parce que là, il me semble, mais je suis pas trop sûr, donc ce que je vais dire il me semble, parce que, encore une fois, je sais pas certain. Mais par exemple, il me manquait que 2 ou 5... je sais plus. Je crois qu'il me manquait 2, peut-être 5 badges. Et si les 5 badges, je les prends directement, d'un niveau, j'en aurai donc 5 sur 20, parce que j'aurais pris que les 5 que j'ai pas eu. Mais ça ferait... Ouais! Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de reprendre à chaque fois les 20. Ah, tu m'étonnes. Voilà. C'est bien, c'est que quand tu refais le niveau, tu manques un truc, tu as juste à le prendre. Voilà, t'as pas besoin de reprendre tout, quoi. Faut pas abuser non plus. Merci de crever. En plus, c'est la fin du niveau. Mais là, ouais, je suis mort. Mais j'aurais pu vite fait j'achète le badge pour pas mourir. Par exemple, regarde, je suis là. D'accord. Ma mère, je vais crever. Tu vas là. Bon, j'utilisais 5000, mais bon, c'est pas grave. Ah non, c'est 7500. Vite. Et. Ouais, je meurs pas. Voilà. Vous voyez. Voilà, après, c'est. Voilà, quand tu meurs jamais, enfin voilà.
Mais tu meurs jamais, oui, si t'as plus de. Si tu te fais trop toucher, mais bon. Mais bon, j'étais à la fin du niveau, donc on l'a vu, allez, c'est bon, on se casse. L'économie du temps, c'est bien. Ouais, donc j'étais à la fin du niveau, il était quand même assez court, mais j'ai pas récupéré tous mes badges. Hein. Je crois que j'ai eu deux, mais je quitte, c'est pas grave, c'est pas. Bon, ce que je veux, c'est vous montrer tout l'amiibo Yoshi à la fin. Et un niveau de chaque. Il m'a manqué 3 badges, ok. Et les cœurs. Tricotille. Et niveau 4 maintenant, c'est patch. Est-ce niveau 1, c'est ça? Non, 4, ok. On va faire 4-4. 4-4! Yeah! Oh là là, le mec il a rien là. Oh là là, il a fini avec un cœur en plus. En même temps, il y a un petit boss, donc ça va être bien. Allez. Qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Je sais pas. Allez, défense améliorée. Et maintenant, c'est Yoshi. Enfin, Zero Suit Yoshi. Tada! Non, y'a pas de truc là? Y'a rien? Oh! T'es sûr qu'il y a rien? Ah! 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 Bon, le truc en bas, je m'en fous. Hein. Oh, lui, je l'avais pas. Et voilà, je les ai tous. Vous voyez comme ça a fait l'étoile avec le. Ouais! C'est lui qui me manquait, d'accord, oh putain. Ça me le prend dans la gueule. Ok, donc j'essaie de finir le niveau pour voir le Yoshi que j'ai débloqué. Les singes te font pas mal par contre, voilà. Bon, lui je l'ai déjà parce qu'il est transparent, donc ok. Mais ouais. Donc là, il me manque le dernier, la dernière fleur. Bah, les badges. Et la vie, ok. Alors attends, parce que là, oh, le niveau. Putain de. On va le garder au cas où. Ah ah. Remonter. Voilà, ok. Lui, ça sent le niveau quand même assez lent et dur, vous voyez lui. Voilà, je l'ai déjà pris, ok. Ouais, des cœurs et des cœurs. Est-ce qu'on va... Attends, attends, on va essayer de mettre à travers. Ah ben non. On va le faire... attends. Ah oui, ok, j'ai trouvé. Je me rappelle. Tu vas là pour faire apparaître le truc pour avoir... Voilà. Vite. Voilà. Pour celui-là, il faut Pushy. Voilà, je vous le dis. Ah, c'est ce niveau, je me rappelle de ça où il faut. Oh putain. Attention sur les niveaux de fou, quoi. On s'en fout. Là, ça a monté. Voilà. Quand je me fais ça, je vais plus.
Salut Pushy. Alors là, il faut la clé. Il faut la clé. La clé du boss. Là, il y a un truc qui va apparaître, je crois, pour monter. Non, je sais plus. C'est lui, ouais. Voilà. Je me rappelle plus trop de ce niveau. C'est... Non, c'est juste pour ça. Bon. Là, il faut être malin, vous faites ça. Voilà. Bon, ben, je sais plus alors. La clé. En plus, ce jeu, sans déconner, il faut être concentré. Donc, si je fais pas de conneries, un jeu de mots ou quoi, c'est que je suis hyper concentré parce que ce jeu, sans déconner, ouais, c'est. Waouh. On pourrait croire que non, mais ouais, il faut de la concentration. Ah oui, je sais. Ah merde. Bah attends. Non mais ici, où tu vas? Ah oui, il veut y récupérer le truc. Ouais, mais c'est bon, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Vous voyez, il récupère le truc. Ça, c'est bien. Ça, j'en montrerai pas mal de niveaux. À la fin, il y aura tous les... Tous les amiibo Yoshi. Je vais vous montrer quelques mondes. On est à peine à 40 minutes. Ouais, ça va, c'est bien. Alors, c'est juste ça, ok. Bon, la clé là! Putain! Je m'en rappelle plus, moi, de la clé, sans déconner. Ah, mais le con, c'est l'autre côté, putain. Il tue tout le monde en plus. Voilà. Et là, cette conne de clé. Y'a plein de trucs qui vont apparaître normalement là. Ouais. Non, on s'en fout. Alors. On va se mettre comme ça. Pushy, monte, putain, enfoiré! Récupère la clé, vas-y, récupère la clé, allez! Voilà, allez, allez, allez! Mon chien! Allez! Ah, bien joué! Merci! Voilà! Vous voyez, beaucoup de réflexion, faut quand même réfléchir et tout, et si, là, putain, c'est vraiment pas mal! Encore une fois, le 100%, c'est un truc de dingue! Et le boss, il est là! Ah oui, je me rappelle, je monte! Et après ça descend, ok. Voilà, on a déjà fini le niveau, c'est bien. Par contre, j'ai tous les cœurs ou pas? Ouais, j'ai les 20 cœurs, ok. On va voir le boss ne pas se faire toucher, mais c'est pas gagné. Oh là là. Je vais me faire toucher en rebondissant sur votre con maintenant. Ah oui, comme toujours, les cœurs encore, mais j'ai déjà tout. Voilà. Ouais, il y a checkpoint juste avant, mais les 5 cœurs là, si je perds, à mon avis, j'ai 10 cœurs sur 20. Là, j'aurais pas les. Faut vraiment que je me fasse pas toucher alors. Hein. En plus, c'est qui le boss là? Kamek! Dis donc, tu m'as l'air un peu sur les nerfs, non? Prends donc un bon bain, ça devrait se calmer. Allez, encore des jeux de mots, des trolls et des trucs comme ça, putain. Ah, c'est lui. Ouais, non, normalement ça va, normalement ça va. Normalement ça va. Hein. Tout
tous les boss doivent se faire toucher 3 fois. Que 3 fois, oui. Je m'en rappelle plus là ce qu'il fait là déjà. Je sais plus c'est cool. Bon, dernier coup. Oh! Il fait quoi là? Adieu connard, allez crêpes! Voilà. Voilà, j'ai mes vainqueurs. Ouais, en plus j'ai débloqué le Yoshi. Bah, le Yoshi spécial. C'est cool! Eh bien! Oui! Ah, j'ai pas eu le dernier par contre, la dernière fleur non plus. Et en tout, ça fait 17. Ah putain. Bon, ça va. J'ai quand même eu deux petites étoiles. C'est cool! Je suis à 42 minutes. Ouais, ça passe encore. Pour un bon Yoshi comme ça, ça va. Je vais continuer quand même encore, hein. Là, oui. D'habitude, je fais pas exprès de faire une heure ou un truc comme ça, mais là, je vais quand même continuer. Hein. Ah, c'est quoi? J'ai débloqué, j'ai retricoté Yoshi Aquatique, oui! Voilà. Comme je vous ai dit, je fais un monde, un niveau par monde, voilà. Dans 5-5 maintenant. Bah oui, le monde 1, je fais niveau 1, le monde 2, niveau 2, etc. Bah oui. Oh là là, le mec. On va mettre... Je pense que ça servira à rien, ça, hein, à un niveau de glace. Donc... Mettre celui-là. Et maintenant on remet Yoshi normal. Hein. Flocon à l'horizon. Putain, Horizon, Forza Horizon 2. J'ai fini, ça y est, je suis le champion d'Horizon. Je suis content. Il me reste plein de trucs à faire quand même derrière. Ça c'est bien. C'est parti. Allez, go. Par contre là j'ai rien du tout, donc je vais pas essayer de prendre des choses. Je vais essayer juste de finir le niveau. Juste vous montrer un peu la gueule du niveau. C'est vraiment très bien fait, ça aussi la neige et tout, c'est super beau. Ah, je l'ai fait hier celui-là. Ah oui, je l'ai fait hier ce niveau, je m'en rappelle. Ah oui, il est rapide là. Ah ouais, je vois qu'il est rapide ce con. En plus, il glisse. Oh putain. Oh là là. Ouais, le cœur, ouais. Point. Vite. Bon. Alors, badge. On va pas courir aussi rapide que l'éclair, parce qu'on n'accumule pas les badges, mais bon. Voilà. C'est quand on m'a permis de refaire 10 fois le même niveau, hein. C'est... Ça me dit rien, là. Ça veut dire rien ce niveau. En plus, eux, ils sont gris. Je les ai pas les gris. Ah, peut-être le bestiaire, je l'ai bloqué à nouveau. Ah, c'est possible. Oh, je l'avais pas, ça. Ah ouais, je l'avais pas. J'étais pas allé là. Bon, ok, d'accord. Il y a un truc là-haut, non? Obligé.
Ouais, voyez, super caché quoi. Bon, des cœurs, toujours le cœur. Hein. Ah, bah ok, bah maintenant j'ai débloqué un nouveau personnage dans le bestiaire, le mascasse igloo, je sais pas ce que c'est là. Et en plus, j'ai découvert le. Comment tu fais là? Attends, on va faire ça. Voilà. Cool. Voilà, moi je vais vous montrer pas mal de niveaux, pas mal de trucs, débloquer pas mal de choses, vous avez vu comment ça se passe, comment on fait. Ah bien, cool, super belle vidéo, je suis content. Toujours assez longue, mais bon, c'est pas très grave. Non, 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 de toute façon je meurs pas alors. Ah oui, non, c'est vrai, il faut faire ça. Fais tomber de la neige et fais tomber des glaçons. Enfin, des glaçons. Des glaçons, quoi, il a dit. Yeah! Voilà, on est au monde 5-5. Après, il y a le monde 6-6. Mais 6-6, je pourrais pas parce que le monde 6 de Bowser, là, je suis arrivé qu'à 6-3. Donc, je ferai un niveau inconnu pour finir. Non, je meurs pas, c'est vrai. Et voilà. Non, mais c'est cool. Sauce. Connard. Connard! Oh putain, j'ai pas vu ça non plus. J'ai tout débloqué là ou pas? Non, on peut pas voir. Ah oui, ça se voit que j'ai fait les niveaux à la 20 vite pour essayer de débloquer juste le 26. Putain, ouais, je crois qu'on peut monter dans le nuage, il me semble. Hein. Ouais! Je sais pas s'il disparaît ou pas au bout d'un moment. Au début, il y a que dalle. Oui, il disparaît, ok! Ouais, y'a rien. Je l'ai déjà pris. Des cœurs, oui. Tiens, je peux tomber. Ah, il y a un truc là-bas. Un tuyau. Ah, j'ai déjà pris, ok. Même si j'ai déjà pris, j'ai déjà débloqué alors. Merde. Ouais, bon. Ah, c'est la fin du niveau là. Non? Ok, donc faut monter par là-bas. Ah non, c'est pour récupérer le... Ok. Et puis maintenant, j'ai envie de vous laisser les bruitages et surtout la musique du jeu, c'est juste... Oh non, je meurs pas, c'est vrai. C'est juste magnifique. Voilà, niveau bonus, vous allez voir ce que c'est. En fait, c'est rien, c'est un truc qui dure 15 secondes, je crois. Il faut récupérer le plus de fruits pour avoir le plus de diamants. Voilà, allez, dans le dernier niveau, un dernier niveau inédit. Si je galère trop, je me casserai au milieu du niveau, hein, pas abusé, je suis à 50 minutes. Surtout qu'il faut à peu près 3 minutes pour montrer tous les Yoshi. Les 41 ou les 36 Yoshi amiibo. Ah, je connaissais pas ce niveau bonus comme ça. Vous voyez, là je peux monter que là parce que, vous voyez, ça c'est bien fait ça aussi. Ça c'est très très bien fait aussi. Là, quand on est avec les rideaux, j'appelle ça les rideaux, hein. Quand je suis avec les rideaux, je peux aller sur la plateforme, mais quand il n'y a pas les rideaux, je peux pas. Ça c'est super bien fait, j'adore.
Il y avait un niveau comme ça, il était assez compliqué. J'ai fait le premier coup, mais au moment, des fois, je me suis dit, putain, attends, Jésus, je suis pas, il faut monter, oui, non. Des fois, tu te perds un peu, c'est. Mais super bien fait, ouais. Ah oui, j'ai débloqué aussi. Ah putain, bien. C'est quoi? Yoshi étoile. Ouais, ça se voit sur les joues, ouais. Ok. Ouais, déjà vu lui. Rien ne vaut un bon. On a déjà vu aussi. Alors 6-3. Pas de répit pour Yoshi. Ok, vu le nom, je le finirai pas le niveau. Hein. On va prendre celui-là. Voilà, je vais montrer un peu quelques badges, quelques niveaux, tous les mondes. À la fin, il y aura les Yoshi Amiibo. Non, c'est bon, c'est cool. Ça fait pas encore une heure, il reste 10 minutes, mais ça va faire une heure. Bon, ça changera pas d'habitude. Hein. Mais là, moi, c'est un test, voilà, c'est un nouveau jeu, c'est mieux. Donc, c'est cool. Un peu de lave aussi, c'est bien. Ouais, non, y'a rien. J'ai envie de jouer avec Yoshi Amiibo. Pas à quoi il sert à rien, mais bon. Voilà. Mais je sais pas pourquoi les Pokémon ça marche pas et ça fait ça. Je sais pas. Tous sauf ce. Comment ça fait ça là? Bon, on va pas essayer de faire le niveau à 100%, on va juste essayer de le finir, d'accord? Bon, on va faire ça. Voilà, on va juste essayer de le finir. Ah ah! Putain, j'ai pas vu la flamme! Bah, aller à gauche en bas, à droite. Putain, il me gonfle aussi. Non! Et ouais, je peux pas. Là, si je me baisse, après le truc il tombe. Oh putain. En plus, on revient là parce que j'ai pas eu de checkpoint. Oh putain. Bon, ben. Je finirai pas le niveau. Sans déconner, non. Je vais aller là maintenant. Bon, c'est quand on aura pas vu de Yoshimoto, ni Yoshi Parapluie, ni rien. On aura vu que Yoshi Top, le plus pourri en plus. Dommage, c'est con. Je connais pas le niveau à l'avance. Hein. Encore une fois, c'est Total Impro et tout, donc voilà, je dis pas à l'avance. Bon, alors je vais faire tel niveau, je vais faire tel truc, je vais bien m'entraîner, je vais faire genre je connais pas. Non, non, non. Pff, là, j'ai du cul. Oh là 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 là! Non mais faut arrêter. Faut arrêter de. Regardez, c'est un Yoshi mais c'est ultra chaud quand même. Bon oui, en même temps il y a de la lave et tout donc c'est chaud c'est sûr. Mais le niveau lui-même il est un truc de fou hein. Putain ils vont tout en haut ce connard hein. Là j'ai tué les deux en même temps parce que j'ai une grosse pelote qui fait deux coups. Ah, c'est bon j'ai compris, Challenger en dessous, Tomb Raider, les trucs qui tombent sur la gueule, ok. Allez des cœurs, des cœurs. Bon, de toute façon, je meurs, je me casse, c'est mon conflit. Ok, il y a un truc en bas là, la fleur. Ok. Ah, parce qu'il fallait passer par. Ouais, je sais pas. Non, on peut plus passer maintenant, il y a plus moyen. Non. Ok, c'est cool. Ah, si, peut-être. Ah. Des cœurs, s'il te plaît! Ouais! Ouais, je peux pas le récupérer, désolé. Pff,
Encore les fleurs, ça déconne, vous pouvez lancer ça dans la gueule de la fleur, ça la récupère. Autant la pelote de laine, non, ça rebondit dessus. Donc faut vraiment aller la chercher vous-même, quoi. Ou alors pushy. Bon, ok, maintenant on va faire ce côté là. Bon. Récupérer ça. Dans la lave, je meurs direct dans la lave. Hein. Faut pas oublier. Hein. Comme sur les grosses piques. Ah, ok. Ok, on peut se traverser, t'es voyant. Ok, là, il y a sûrement un truc en haut. Voilà. Ok. Pff, oh là là, le niveau de fou. Putain, non, le mec, il va pas. Oh. Putain, ça fait 56 minutes. Non, je vais faire plus d'une heure. Oh putain. En même temps, vous voyez, c'est super long. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de niveaux. Enfin, je suis obligé de faire plus d'une heure. Mais au moins, j'ai remontré pas mal de choses. Parce que vous êtes d'accord que ce Yoshi, il est unique, il est rare. On l'attendait. C'est une tuerie. C'est pas un jeu où, genre, une demi-heure, bon, c'est bon, on en a marre, on peut arrêter. Non, non. Ça, c'est à faire en vidéo. C'est voilà. Comment je fais là en vrai? Casser couille. Hein. Comment je fais? Je vais crever. Je suis obligé de crever. Je suis obligé. Voilà! Ah bah putain! Bon, en fait, en gros. Attends, je vais voir si je peux monter directement. Non, c'est-à-dire que le côté gauche il sert à rien, mais. Non, je suis obligé, ça va. Dans ce jeu, il n'y a pas de temps, mais moi, en faisant les vidéos, j'ai du temps. Donc, justement, c'est ça. Voilà, ouais, je peux pas, j'ai pas de boule. Ok. En même temps, oui, je suis allé assez vite, hein, désolé. Ok, il a raté deux. Bon, voilà. C'était Yoshi Woolly World. De la tuerie. Vous voyez, j'ai rien à dire. On n'a rien à dire dessus. Hein. On n'a rien à dire. Ce niveau, autant il était assez compliqué, mais pas trop long, tu vois. Autant il y en a d'autres, c'était un peu compliqué et long. D'autres, moins compliqué, plus long, moins long. Il y a de tout. C'est vaste, les niveaux. Des fois, tu peux aller à gauche, à droite, tu sais pas, c'est labyrinthique. Des fois, non, c'est assez droit, comme le premier niveau. Ça va en crescendo, la difficulté, donc c'est vraiment très bien. C'est plusieurs mondes, plusieurs niveaux, plusieurs Yoshi différents. Un petit mode coop local, tranquille. Ah non, franchement, il est parfait, y a rien à dire, c'est une tuerie. Donc voilà, on va finir par les Amiibo Yoshi, les pavillons Amiibo, c'est parti! Je vais aller vite, là encore une fois, vous pouvez vous mettre pause dans la vidéo, hein. Donc j'ai pas besoin de laisser 40 ans sur le même, même Amiibo, hein. Vous pouvez mettre pause, bon, il faut être malin des fois. Hein. Donc on va commencer par les premiers Amiibo que j'avais enclenché, c'était Samus forcément. Allez, let's go! Donc voilà. J'ai tous les Amiibo, hein, j'attends vraiment d'avoir les nouveaux là avec Shibirobo, voir ce que ça donne. Après il y a Ohimar aussi, alors plein d'autres.
J'atteins Ryu. Ryu! Un amiibo, voir ce que ça donne sur Yoshi. Il va être tout blanc, à mon avis, non? Tout blanc avec la tête rouge, un truc comme ça. Ou noir. Ouais, ça va être pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, ça fait toujours une heure, comme d'hab. Bon, voilà, j'y peux rien. En même temps, c'est une chaîne de test, donc oui, je vais pas faire un test sur 10 minutes, non. En plus, quand le jeu est bon et beau et tout comme ça, où je vais montrer le maximum de choses, je suis obligé de faire une heure. Je peux pas faire une demi-heure. Sans déconner. Même si j'essaie d'aller plus vite et tout, j'aurais fait de la merde. Et à une demi-heure, je vais montrer que la moitié, donc non, je peux pas. Après, encore une fois, voilà, vous coupez la vidéo en plusieurs parties, faites ce que vous voulez, pas de soucis. Vous pouvez même la mettre juste en son hein, pour écouter. Hein. Après voilà, Link Cartoon et Link Normal, les deux c'est exactement les mêmes. J'ai pas compris pourquoi. Voilà, Toon Link et Link c'est les mêmes. Ok. J'ai envie de changer un petit truc, je sais pas. Bowser! Ike, ouais, bof. Après, Zelda, Captain Falcon et tout sont vraiment très bien faits, je trouve. Il y en a qui sont vraiment très bien faits. 89% des niveaux sont super bien faits. Il y a Ike, ouais, bof. Little Mac, trop bien fait, j'adore. Et encore une fois, ce côté vraiment réaliste du tissu, là, de la laine, putain, c'est super méga bien fait, quoi. Ah, quelle console, la Wii U, sérieux. Nintendo, surtout, putain, ils font que des jeux de fou, quoi. Villageois. Avec le bouton sur le nez. Entraîneuse Wii Fit. Pit. Peach. Non, c'est vraiment très très bien fait, ouais. Kirby, tout mignon. Fox. Morph. Mario. Bon, on l'avait vu tout à l'heure en vidéo, de toute façon, hein. Comme le Megaman, comme le Zero Suit Samus, Captain Falcon, etc. Ganondorf. Et oui, il est là, le Yoshi tout court, le Yoshi qui débloque avec l'amiibo Yoshi. En plastique. C'est bien fait aussi. Et le dernier amiibo que j'ai eu, c'était Palutena and Dark Pit. Voilà. Donc merci à tous d'avoir cette vidéo, qui a duré sans déconner 1h10, Fada. Que le jeu vous aura plu. Si vous n'êtes pas de. Si vous n'êtes pas ben, ce Yoshi là, achetez le direct parce que franchement, avec Mario Kart 8, Smash Bros, Mario 3D World et tout, c'est un jeu à acheter. Même Splatoon il est pas mal. Bon, tu arrives vite au niveau 20, après t'as plus rien à faire, donc vivant les mises à jour. Hein. Mais franchement, c'est de la tuerie quoi. Ah ouais, il est beau ton dessin. Donc voilà, allez, merci à tous et à la prochaine là pour. Ben, franchement, j'en ai aucune idée. Une vidéo déballage, je crois qu'il n'y a rien. Niveau test, à part en fin d'année pour quelques jeux, il n'y a rien. Devil Sword, le jeu exclu en août pour Wii U, je sais pas, on verra, je pense pas, mais on verra. Mais sinon, ouais, ça va être un peu mort, à part les autres Wii tous les 15 jours sur Retron 5, voilà. Allez, à la prochaine!